Salut! Oui, nouvelle intro, nouveau décor, voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'homme qui était le plus craint durant 15 ans, le général devenu empereur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Napoléon Ier, dit Bonaparte. Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Il était le fils de Charles Bonaparte et de la Teresa Rotrenano. Il va en France des années plus tard pour faire ses études de militaire à Paris. Plus tard, il entre dans l'infanterie française et part à Valence en 1787. En 1789, la révolution éclate et Napoléon y participe. Il se fait remarquer dans le siège de Toulon en 1793 face aux Anglais. Il passera un séjour en prison et sera libéré en 1794. À sa libération, il passera sous les ordres de Paul Barras et montrera sa farouche opposition à l'insurrection royaliste de 1795. Il montera en grade et sera promu à la tête de la petite armée d'Italie, ce qui ne l'empêchera pas de remporter des batailles face aux Autrichiens. Le 18 octobre 1797, il fait signer le traité de Campo Farimeno. Mais bon, avant cela, il épouse Joséphine de Beauharnais en 1796. Mais le 21 juillet 1798, Bonaparte mènera la célèbre campagne d'Égypte. Mais ses troupes sont épuisées par l'écrasante défaite face aux armées de l'amiral Wilson. Napoléon nomme Calbert commandant en chef de l'armée française d'Égypte et rentre en France le 9 octobre 1799, Bonaparte est déclaré le coup d'état des 18 brumaires. Et quelques temps après, il est désigné premier consul. Après cela, il fait de nombreuses réformes. Il rédige le code pénal, par exemple, en 1804. Et le 24 décembre 1800, Napoléon échappe à un attentat à Paris qui fait une dizaine de morts. Et le 15 mars, le duc d'Enghien est condamné à mort. Et afin de pouvoir préserver son pouvoir, en 1802, il se fait élire consul à vie. Tout ce que j'ai à dire, c'est si tu veux une partie 2 sur Napoléon, abonne-toi. Et aux 100 abonnés, je fais une partie 2 sur les Templiers. Et aux 1000, sur Napoléon Bonaparte. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire, jamais tu veux voir ces deux parties. Je t'invite à t'abonner. Bye!